La division GT1 créée par SRE et la FIA GT à l'époque. Mon Dieu, qu'est-ce que ça coûtait cher pour peu de spectacles. Bonjour et bienvenue. Et dans Track Day, aujourd'hui, on fait un retour en arrière de 6 ans avec cette Lamborghini Murcielago que certains connaissent par GTR2 ou GTR, mais surtout par la catégorie GT1 créée à l'époque. Et cette catégorie regroupait les meilleurs GT du marché. On peut citer des Ford GT, des Maserati MC12, des Corvette C7R ou encore cette Lamborghini Murcielago qui pour moi était l'une des plus jolies alignées sur la grille avec les MC12 Vitaphone. Cette voiture est aujourd'hui disponible en mode dans Assetto Corsa, nous la testons aujourd'hui. Quelques spécificités techniques, 1150 kg, 670 chevaux et une vitesse de pointe de plus de 330 km/h. Une voiture qui fait le café, plutôt agréable, très finie au niveau de l'intérieur. Nous sommes sur la piste de Silverstone, piste que vous retrouvez de base dans Assetto Corsa, donc pas besoin de le mentionner. La voiture est quant à elle gratuite, disponible dans la description et elle fait, eh bien, un petit peu pitié parce qu'elle est seule, il manque cruellement d'adversaires à cette voiture dans Assetto Corsa. Donc s'il vous plaît, messieurs les modeurs, continuez le travail et livrez-nous eh bien, des Corvette C7 de qualité, même si celle du jeu est plutôt correcte, des Maserati MC12, il manque d'autres voitures de la catégorie GT1 pour faire une belle grille et pourquoi pas faire revivre ce championnat pour certains des passionnés. En tout cas, c'est beau, c'est joli à voir et surtout, ça fait un très joli bruit, et pour cela, quoi de mieux que de monter le son ?